Je sais pas c'est quoi exactement un homme. Mais je suis assez intimement persuadé qu'un homme, un vrai, est quelqu'un qui assume à la fois justement sa masculinité et sa féminité. L'homme idéal, est-ce que l'homme idéal, il est en couple? Est-ce que l'homme idéal a des enfants? Est-ce que l'homme idéal, il est père et mari depuis 25 ans? Honnêtement, je ne suis pas sûr que ça existe, un homme idéal. On n'est pas tout masculin et on n'est pas tout féminin. Puis ce que j'essaie de découvrir en moi, à travers ma relation avec les autres, c'est une sorte d'équilibre entre les deux. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, féminin et masculin? Hein? C'est... T'es prêt? Oui, oui, excuse-moi pour le retard, là. Ça m'inquiète, mon doux, hein? J'ai dit que... Ben, je sais pas à quoi m'attendre, alors... On avait dit pas de monde, donc... Okay. Pas de monde, pas de téléphone. Je t'en vais dans un camp de jour, comme quand j'étais jeune. Moi, ça a l'air, on dit qu'on s'en va en camping. Oui. Salut. Enchanté. Salut. 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 Ça fait plaisir. Salut. Merci, Jacques. Salut. Outremont? La Prairie. La Prairie? Brossard. Je suis en Montréal. OK, Laval. Alors, vous êtes invité à l'arrière de ce bus? Ça fait 20 ans que je donne la formation, que j'anime des groupes d'hommes, ici au Québec et en Europe. Et une des affaires que j'ai remarquées, c'est que les hommes aiment beaucoup les trips de gars, où il y a de l'aventure, il y a des défis, puis il y a de la compétition entre eux autres. Mais ce qu'ils recherchent de plus en plus, c'est de se parler, puis de se dire les vraies affaires. Pourquoi? Parce que ça brise l'isolement qu'ils vivent dans le quotidien, puis ça leur permet de développer leur estime et leur fierté. Une fierté qui n'est pas tant axée sur l'image et l'espèce de rôle qu'ils jouent dans la vie, une fierté beaucoup plus basée sur leur intérieur et leur valeur propre. De croissance personnelle, j'ai rassemblé 12 hommes âgés entre 20 et 60 ans. Les hommes ont répondu à une annonce d'un journal. Ils se connaissent pas, mais se sont tous portés volontaires à vivre une réflexion autour de leur identité masculine. Moi, j'ai cherché mon gant de balle, j'ai tout fait la maison, deux, j'ai jamais trouvé de gant de balle. Je les amène dans un endroit typiquement masculin, dans un camp de pêche. Puis pendant les 5 prochains jours, je vais les inviter à participer à des activités, à des mises en situation pratiques. Mais contrairement à un voyage de pêche, il n'y aura pas d'alcool. C'est pas une thérapie, là. C'est un questionnement profond sur leur identité et sur leurs valeurs. Puis eux, là, ils savent pas du tout à quoi s'attendre. Je vous en propose un gros jeu. Vous allez avoir à vous organiser, organiser votre camp. La seule affaire, c'est qu'il y a des pièces qu'on ne sait pas à quoi qui servent, mais ça, on va vous donner des consignes très claires et vous allez avoir plusieurs heures pour monter vos tentes, pour partir le feu et organiser votre bois, parce que le feu, il faut qu'il marche toute la nuit. Je vous l'annonce, là. Il part après-midi, puis on a une vigie. Donc, demain matin, il faut qu'ils soient encore allumés. Vous avez à organiser aussi votre nourriture, si vous avez faim. Si demain matin, on ne vous sert rien sauf de l'eau. Et on veut que le terrain reste propre, donc vous avez à organiser vos chiottes aussi. Je
n'y a pas tellement de technique, par exemple. Oui, c'est pas grave. On va le pogner, on va le mettre dans le tube, on va brouiller en milieu, on va le remettre. Ah, tu veux dire, est-ce qu'il va rester? Ben oui, on va lui faire des bulles. Je sais que je suis capable d'inspirer. Je sais qu'il y a quelque chose en dedans de moi, au fond de moi, solide. Tu sais, c'est solide, c'est fort, c'est là, par rapport à ce que je suis en tant qu'homme. Alors, je pense que je vais amener ça. Puis je vais aussi amener toute la beauté de mon côté vulnérable, fragile, émotif. Et je me sens plus faible dans ça aujourd'hui. Pour moi, ça, c'est une force. OK, là, ça prend un bout, juste un bout. OK. Je suis quelqu'un qui a toujours eu bien de la difficulté avec l'engagement. Si je me donne une image, là, je me suis toujours vu comme le bumblebee, hein, où je saute d'une fleur à l'autre, puis j'ai déjà oublié l'autre lorsque j'ai sauté à la prochaine. Alors, c'est tout le côté engagement envers les autres, puis envers moi. Alors, j'espère pouvoir développer ça ici. J'espère pouvoir pousser ça plus loin, cette recherche-là. Ce que je me rends compte avec une femme, avec des femmes, c'est que sans, au niveau de la sensibilité, de l'émotion, tu vas plus aller chercher, puis j'ai des contacts avec certaines femmes, puis j'ai une rencontre avec ma blonde, mais c'est toujours avec plus de profondeur. Avec les hommes, ce que j'aimerais, c'est de vivre cette profondeur-là, que le premier niveau. Premier niveau de compétition, bon, il va en avoir, c'est correct, mais je pense que ça permet aussi d'aller un peu plus loin. Puis moi, c'est là un peu plus loin. Dans ma vie, j'ai pas de grands hommes autour de moi où l'échange profond va faire partie un peu de un peu dans les coutumes ou du quotidien. C'est un peu plus difficile de se livrer et d'ouvrir et de se permettre de se laisser aller. Ça, je vais me permettre ça. Il y a des branches en dessous, là, je ne pourrais pas les lever avec. Là, si je comprends bien, on va passer de panache en fin de souper, c'est ça? Oui, c'est vrai ça. OK. Ouais, ben là. Juste la bonne nuit. Encore un peu. La nuit, ça va être bien, hein, de s'enligner. Tout le monde a une jambe de poche. Oui. Est-ce comme... qu'on peut s'installer les deux jambes-là? Il y en a des collègues qui ont des jambes un peu plus massives, hein, pour être capable de passer là. OK, on s'essaye. Démonstration générale. Pour la cause. C'est déjà vu pire. C'est le confort naturel, hein? Naturel. Et pouce touchant, inspirant au maximum. Ça, c'est l'autre en même temps. Ah, pas d'autre. C'est du support masculin que j'ai besoin dans ma vie. Je sens que je suis pas encore tout à fait sorti du monde de ma mère. Je suis un gars passif, foncièrement, très passif, mais pas parce que je fais rien. J'ai la difficulté à prendre des actions concrètes pour arriver à ce que je veux. Les actions que je prends, ils mènent pas où je veux. C'est pas bien arrivant. La corde, on peut la mettre en marche ici, comme ça, en haut, hein, de partir. Ça va être le bonheur, ça. Ça fonctionne, c'est ça. Ça, ici, là, ben c'est ça, regarde. Okay. On l'accroche après le fil, puis après ça, t'accroches n'importe quoi d'autre au bout du crochet qu'il y a là. Okay. N'importe quelle leurre, ça, un hameçon, n'importe quoi. Ça, il faut que tu sois bien solide. Je me sens toujours un peu mal à l'aise avec un groupe d'hommes parce que j'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup de choses en commun avec les gars. J'en ai plus avec les filles. Comme j'aime les voitures, je connais pas ça. Le hockey, j'ai jamais écouté ça de ma vie. Je sacre pas. La bière, j'aime pas ça non plus. Finalement, j'ai l'impression de ne pas avoir grand-chose en commun avec les gars. Ah, t'enlèves le bout qu'il y a trop. Non, c'est ta ligne, là. Et quoi? Elle est plus bonne. Comment ça? Ben, ce gars, elle pète. Ah, OK. Le fil est trop... Il est trop sec. Non. Avec ton poisson, il... Non, c'est le souper, ça, là, André. On va manger du fil. Alors, mon plus grand défi, moi, au cours de ces 4 jours-là, ça va être de me laisser aller avec des gars. Parce que ça, je suis pas habitué de faire ça. Je suis habitué de le faire avec des filles. Pour moi, c'est facile. Mais avec des gars, je perds mes moyens. Alors, si j'arrive à faire ça, dans tout cas, un petit bout, pour moi, ça va être une grande victoire. Le pire, ce serait que je prenne l'impression que je ne serais pas quand même dépassé. J'espère pas. Ça, on utilise ça comme ça, gars. Je pense pas qu'on remplisse ça en 4 jours, surtout si on n'a rien à manger.
Moi, j'ai l'âme toute vide. Pas même pas peur des loups. J'ai tout le temps été entouré de femmes, mais bon, les gars, il faut plutôt les faire rire, tu sais, mais de la misère à me livrer ou à écouter. Donc là, c'est, moi, c'est comme plus l'écoute des autres, puis pas ça de me livrer aussi. Tu sais, faire l'échange de ces deux polarités-là. À la pêche, c'est bizarre, mais j'ai jamais fait ça de ma vie, comme j'ai jamais joué au baseball non plus. Puis de voir pêcher, je sais pas si j'aime ça, puis accrocher un verre encore moins. Bon, si je tombe à l'eau, j'enverrai un adulte. J'ai toujours recherché cette fraternité, cette relation-là avec les hommes, mais j'ai jamais réussi à faire partie d'un groupe d'hommes. J'ai toujours été un peu individualiste. Et ma façon de m'intégrer dans des petits groupes, c'est toujours par l'expertise, de savoir les choses, de savoir comment faire, d'être le leader pour organiser, etc., etc. Mais quand j'ai pas quelque chose à faire, qui suis-je? Est-ce que je suis capable d'être juste là et de faire partie du groupe juste parce que j'existe? Je pense que c'est ça que je vais essayer d'expérimenter. Là, est-ce qu'on peut être accepté si on n'est pas expert dans quelque chose? As-tu déjà fait du canot ou du ando? Non plus. Ouais, c'est merveilleux pour toi, le bonheur d'apprentissage. Hein? Je suis pas un pro, là, mais je peux te donner quelques indices. Il y en a un! Ah ouais, ça, là, rentre dans le bateau, c'est une belle affaire, ça. Ah ouais, rentre dans le bateau. Wouah! Ah, ça va piquer, là, quoi, là. Ben oui, ça pique encore. Hey, on a une belle! Hi-hi-hi! On va manger, hey, boy! Ça, c'est une petite, l'autre est plus grosse. Ah, mais c'est pas si mal, on va s'amuser. Ok, cool. Ok, c'est beau, c'est beau. Tiens, d'accord. Tu abaisses la languette. En abaissant la languette, en lançant, le moulinet va se dérouler. D'accord? Alors, juste... J'aimerais me sentir, vraiment me sentir reconnu en tant qu'homme par d'autres hommes. Et autant dans ma masculinité et ma féminité, et puis dans mes différences avec vous autres, et puis dans ce qui nous caractérise en tant qu'homme. C'est pas juste nous autres qu'on aurait ici. C'est qui a pêché son premier poisson? Dans Jean, voyons. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Son premier poisson. Ça, c'est mon linge pour la soirée. Ah! Je pense qu'on va l'essayer. Il faut l'essayer, frère. Je pense que c'est bon pour ça. On a un thé. Ça te mange bien. Hein? Lève-les dans l'eau froide pour moi, pour avoir eu le après. Oh, c'est dans le tuteur, c'est bon, sérieusement. C'est aussi bon que du sushi, pour vrai. C'est très bon. Voilà. Finalement, on mange de poisson cru. Ça se fait le feu. Ouais, ouais. Non, c'est ça, les petits, ça se mange bien, les arêtes sont petites en plus. Aujourd'hui, mon objectif principal, c'était qu'on se retrouve ici, qu'on commence petit à petit à créer des liens entre nous et qu'on touche un peu des dimensions nouvelles, là, qu'on vous mette un petit peu au défi. Ah, ouais, ça serait bon, toi, le pâté chinois. Steak, blé d'Inde, patate. André, ça plaque comme ça, là. Et la peur que les gars vivent face à un séjour ou à une activité comme celle-là, c'est souvent la peur de l'inconnu. Mais au-delà de l'inconnu, c'est souvent rattaché à comment je vais vivre ça? Qu'est-ce qu'ils vont me faire faire? Je vais-tu perdre la face? Je vais-tu être jugé? Dans le fond, je vais-tu réussir ou pas réussir? On avait tous peur de mourir. Jean-Pierre! Mon intention puis mon souhait, moi, avant n'importe quelle de ces activités-là,
c'est de mettre le gars en contact avec ce qui va le rendre fier, ce qui va le valoriser. Ben oui. Restez branchés sur vos émissions préférées. Toutes les recettes de nos chefs, les détails sur les transformations de décors Tabi, votre grille horaire détaillée, retrouvez tout ça et bien plus au www.canaldi.com pour ne rien manquer de votre télé. Les voilà, ils entrent en studio! On veut savoir pourquoi vous avez changé votre Honda pour une Buick Rendez-vous. Oh, ben moi, j'aime beaucoup les voitures classe, là, puis avec la famille, ben je pensais plus à une minivan. Ouais. Mais je voulais aussi un utilitaire sport avec le chalet, fait que j'ai pensé à un genre de 3 dans 1. Puis il l'a eu! Mais c'est pas lui qui conduit, hein? C'est moi. En ce moment, venez faire l'essai d'une Buick et courez la chance de la gagner. Ce qui est pas ton cas. C'est mon rituel, juste à moi. Épilderme fait peau neuve. Nouveau look, même efficacité. J'ai enfin trouvé la solution qui me convient vraiment. Soluble à l'eau, facile à utiliser. Épilderme vous offre une gamme complète de cire épilatoire. Je m'épile n'importe quand, à n'importe quelle heure, quand j'ai goût de me sentir belle. Cire froide ou tiède, régulière ou en crème. Disponible également en applicateur rouleau. Essayez, vous verrez bien. Épilderme, la solution moderne pour la femme d'aujourd'hui. Quand est-ce que tu vas sortir? Ça va prendre du temps. Faut que j'y retourne. Je t'aime, maman! Moi aussi, je t'aime, ma chouette. Passez moins de temps à nettoyer les taches tenaces. Vim Crème nettoie la crasse tenace aisément. Cet été, il y a le tout nouveau menu fraîcheur de PFK à découvrir. De belles salades rafraîchissantes qui regorgent d'ingrédients inspirants. Mmh, orange juteux, tomates bien mûres, concombre exquis, ananas sucré. Ah, le menu fraîcheur de PFK, parfait pour rafraîchir tous vos repas. PFK. Tellement beau dehors, là. C'est le soleil. Bon, on est là. Je fais ma garde entre 1h30 et 3h du matin. Puis là, on a jasé. C'est fort agréable. Salut, Yann. Moi, j'ai eu du mal à dormir. J'ai somnolé tout le temps, sauf en matinée, vraiment. Hein? Jean-Pierre, il fait son imitation. Comment tu devrais être sacré? Je me suis sûrement réveillé dans le milieu de la nuit en disant « Qu'est-ce que je fais? » L'un qui ronfle, un qui pue, l'autre qui pète. Je n'aurais pu dire quasiment, là. Avec des rires, je ne connais pas. Je suis poigné dans le play mouillé. Je me disais « Ah, c'est une grande niaise. » Qu'est-ce que dans quoi tu t'es embarqué? Depuis là, on a ça. Puis je suis là. Moi, j'ai gelé cette nuit, je me suis rendu compte que mon sleeping était ouvert. Ah, j'étais vraiment dans un petit fœtus. Puis moi, j'ai réalisé ça, je l'ai fermé, j'étais bien. Là. Mais ce matin, tu vois, j'étais allé me baigner, puis j'étais allé plus loin tout seul. Non, je sais pas pourquoi. J'ai le goût d'être seul ce matin. Le même feeling de vouloir être seul. L'image que j'avais, c'était... Je m'ennuie de mon vélo flyé, puis c'est comme j'aurais besoin de... J'aurais besoin d'être tout seul, oui. Avec moi-même. Mmh.
sortir tout seul dans le bois pendant une bonne heure. Vous trouvez un spot que vous aimez, vous êtes confortable, puis vraiment être en contact avec vous puis l'environnement. Puis prendre un temps avec vous-même. Bon, si tu calmes en dedans ou si c'est agité. Si c'est agité, qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce que ça travaille? Où vous sentez-vous questionné? Vidé et puis je savais pas quoi penser de la matinée. J'avais l'impression de n'avoir rien à dire. Puis je me suis rendu compte que j'ai comme un blocage et puis j'essaye de l'écrire pour mieux le comprendre. Peut-être éventuellement je le partagerai. J'éprouvais comme sensation qui était fort agréable, c'était de me laisser porter. Ça m'était très bon de me laisser porter parce que dans le fond, je porte plein d'affaires. Et là, ça m'a mis en contact avec mon père, tu sais, qui lui, là, tu sais, je le voyais, là, tu sais, lui, sa vie, là, c'était ça. Hein. Porter sa famille à lui. Porter la famille de mariage, tu veux dire, dans le fond, ses enfants et sa femme. Porter des œuvres de charité. Porter. Puis, attends, ça valait vraiment un lot, tu sais, pour lui. Puis, quelque part, j'ai hérité de certaines affaires de lui, là, de ce côté-là. Puis là, de me laisser aller, c'est pas difficile. Et j'avais le goût de faire une demande express ce matin. Ouais. À la gang. Non, mais pas là, nécessairement. Mais j'avais le goût de me faire porter par le groupe. Ah ouais. Ça me ferait beaucoup de bien, je crois. J'ai intuitionné ça, là, tu sais. Moi, ça serait un souvenir merveilleux là, de ce séjour-ci. Ouais. Tu me crois. Ah oui. C'est beau. C'est fun. OK. Nos activités vont être axées sur la compétition. OK? Compétition, le risque, se mesurer physiquement et jouer pour gagner. Bon. Comment est-ce qu'on reste ensemble, toute la gang? Comment est-ce qu'on reste connecté comme groupe? Comment est-ce qu'on reste respectueux les uns des autres tout en jouant ce game-là à plein? Moi, je pense que c'est un beau défi. Comment c'est pour vous d'envisager ce type d'activité-là où d'abord vous allez être invité à vous mesurer physiquement? Donc, il y a tout, tu sais, l'orgueil, là, puis l'ego, en quelque part, là, qui peut être flagellé ou fragilisé, parce que beaucoup de notre image, puis notre valeur qui est rattachée à notre compétence physique, hein, notre capacité de performer. Est-ce que c'est quelque chose qui vous attire, qui vous plaît? Est-ce quelque chose qui vous... Dans la compétition, je vois bien gros me mesurer. C'est sûr que je vais tout faire pour être meilleur que mon adversaire, mais s'il est meilleur que moi, ça me dérange pas. Pas tant que ça, parce que c'est comme... Ma paye est pas là, tu sais, c'est pas... C'est pas mon perdant. C'est ça. Mais j'aime ça, on m'a donné le maximum, puis j'aime bien, puis j'ose espérer qu'on va tous donner le maximum, parce que sans ça, je trouve ça plat. OK. Mais compétitionner avec les autres, c'est la partie que je trouve un petit peu plus touchée. OK. Ouais. Qu'est-ce qui est touché? Ben, c'est tout l'aspect du jeu, et c'est plus du jeu, parce que c'est gagner pour gagner. C'est la partie qui m'intéresse moins, parce ouais, que c'est moi, j'aime mieux gagner moi dans ma compétition pour moi. Je vais après me dépasser dans ma compétition. Go! Go!
OK, go! Go, 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 go! À un moment donné, j'ai eu la pensée, j'ai dit, écoute, je vais abandonner, c'est trop. Qu'est-ce que t'as fait d'abandonner, t'as collé, quoi? Je vais abandonner. Non, un minimum de flash, j'ai dit, non, non, pas l'affaire, let's go. Oui, c'est quoi, Alice, il peut ralentir, est-ce c'est ça d'avoir une gang. Ouais. Hein? Ben oui, c'est ça. T'as relâché probablement, mais la gang était là. Envoyé. Ah ouais, puis quand vous gueuliez, je pensais que t'allais plus vite. Qu'est-ce qu'il me rattrape? Ben, je t'ai rattrapé aussi. Ah, mais à la fin, je garde la même distance. Je fais plus cabale. Ah, plus dur. Les éclairs au chocolat! Oui! Et félicitations à l'autre équipe. Les résultats sont là. On a travaillé à 102%. Est-ce que Pierre l'a gagné? Oui. Oui. Yeah! Go! Ça devient portable, on est fiers, hein? On a joué! Félicitations à l'autre équipe! On a joué! Mais j'aimerais quand même souligner la grande énergie déployée par l'autre équipe pour tenter de contrôler. Nous avons déployé notre... Je pense que la compétition, l'instinct de compétition est très présent. Besoin de performer, besoin de donner des preuves de notre valeur, de notre compétence. Sur le plan du travail, sur le plan des amours, etc. On se retrouve ici, dans un contexte où on peut relaxer, puis juste prenons le temps d'observer, si tu verrais qu'à un moment donné, une espèce d'élan de vouloir bien faire ou vouloir réussir quelque chose. Parce que moi, je me souviens, il y a une époque où je remettais ça complètement en question, parce que je trouvais que ça brisait mes liens. Puis je me perdais dans cette espèce de besoin de performer, puis d'être le meilleur. Mais au point où je me suis comme refermé là-dessus, puis je ne voulais plus compétitionner nulle part. Je me suis éteint. C'était plus moi, ça. Il y a quelque chose de viscéral, je crois, dans le besoin de se prouver. C'est-tu viril? C'est quelque chose qui touche notre virilité, notre mollitude? Puis moi, le muscle de la compétition, il est atrophié. Je ne l'ai pas. Je veux dire, je me sens pas, je me sens jamais compétitif. C'est peut-être pour ça que je réussis pas dans bien des domaines dans ma vie aussi, tu sais. Parce que j'ai pas ce drive-là. J'ai pas la misère avec ça, tu sais. Puis j'aime pas la compétition. Tu sais, j'aime pas me mesurer. Tu sais, je me souviens, ça remonte loin, là, tu sais. Ça remonte à l'enfance. Puis quand j'étais petit cul, là, tu sais, il n'y a personne qui m'encourageait à y aller puis à recommencer quand ça ne marchait pas. Puis peut-être ça, là, qui fait qu'à un moment donné, j'ai dit ça marche pas, j'irai plus, tu sais. Il y avait un discours aussi dans ma famille qui était très... qui était pas tellement encourageant, là. Quelque chose à observer, là, l'instinct compétitif, là. Moi, je pense que c'est très masculin, ça. Je
je fais un travail moi-même, dans le fond, j'ai fait ce choix-là. J'ai fait un choix d'aller chercher plus comme une sécurité monétaire, une sécurité d'emploi, plutôt que d'aller vers l'aventure. Tu sais, je sens pas que je suis vraiment un aventurier. Tu sais, j'ai pas ce côté-là tellement, ce muscle-là tellement développé. Mais à la longue, c'est que finalement, je me suis bâti une prison. Là. Puis cette prison-là, c'est un peu comme j'ai comme appris à l'aimer jusqu'à un certain point. J'ai des grands rêves, puis Et là, à un moment donné, je suis tanné que ce soit juste des rêves. Là. Je veux que ça se réalise, je veux prendre des actions pour que ça se réalise. Essayez-le dans un souvlaki. La poitrine de dindon est faible en gras et facile à préparer. Des recettes sur dindonaumenu.ca. Pendant vos règles, restez assise un bon moment, puis levez-vous. Les fuites et odeurs pourraient vous surprendre. C'est pourquoi il vous faut la protection à la hauteur d'Always Ultramince Super. Avec sa zone unique anti-fuite qui aide à neutraliser les odeurs et à attirer rapidement le liquide au centre, elle protège mieux que la ultra régulière de cette marque populaire. Comptez sur une protection à la hauteur. Always. Vous voulez explorer votre monde intérieur? Laissez-nous soigner votre monde extérieur. Si vous souffrez d'arthrite, essayez le nouveau coussinet contre la douleur arthritique Deep Heating. Sa chaleur pénétrante soulagera votre douleur due à l'arthrite. Bonne nouvelle pour les conducteurs trop pressés pour un changement de couche. Huggies vous présente une toute nouvelle façon de changer les couches. Les Huggies convertibles, les toutes premières couches culottes. Quand ils filent à toute allure, elles s'enfilent vite, comme des pantalons. Et quand ils ralentissent, elles sont faciles à mettre comme une couche. C'est le meilleur des deux mondes. Avec les couches culottes Huggies convertibles, vous êtes en voiture. Disponible à partir de la taille 5. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour conserver le goût frais du café? Il y a du nouveau côté fraîcheur le matin. Voici la boîte fraîcheur de Folgers. Avec son couvercle hermétique incomparable, elle conserve toute la saveur et l'arôme frais du café venu des montagnes en évacuant l'air. Un arôme frais jour après jour après jour. Où vous serez remboursé, c'est garanti. La nouvelle boîte fraîcheur de Folgers. Je l'ai pensé en fonction de l'objectif, qui est de se découvrir comme homme et de susciter chez chacun d'entre nous un haut niveau d'amour-propre et de fierté. Toutes les activités que je vous propose, c'est en fonction de susciter cette fierté-là, cette ouverture-là, par rapport à vous et par rapport aux autres. Ça va? Puis ce soir, c'est du même ordre. Ce que je vais vous proposer, ça va demander de votre part beaucoup de courage et beaucoup d'ouverture.
et je vous inviterai tous à envisager d'y participer. Mais on oublie, je ne veux pas obliger absolument personne à le faire. Alors, ce que je vous invite de faire ce soir, c'est de vous présenter devant nous et devant le miroir. Puis de nous dire ce que vous voyez de vous. Comment vous vous percevez comme homme sur le plan physique. Votre corps. On vous invite à vous regarder. On va vous inviter à vous déshabiller. Je vous présente nu devant le miroir. Fait que ce que je souhaite, c'est que vous sentiez assez à l'aise, en confiance, pour nous dire comment vous vous voyez comme homme. Carlisse, oui, c'est vrai, j'ai un petit pénis. Obsédé par ça depuis toujours, je n'ai jamais avoué. Je prends des douches avec des gars depuis si longtemps, mais on ne se regarde pas, hein? On n'en parle surtout pas. Un bandeau quand ça dort! Et nous, on va être témoins, évidemment, de votre témoignage, et on va vous donner du feedback ensuite sur nous, ce qu'on voit chez vous, puis ce qui nous inspire de vous. Ce qui est possible, fortement possible, c'est énormément de tendresse par rapport à vous-même. Énormément de réconciliation à voir ce que vous êtes comme homme, dans une dimension que je sais qui est généralement, c'est significatif. J'aime mon corps. Mon ventre, mes pectoraux, je crois que je les trouve un peu petits. J'aimerais ça être plus mâle que ça, plus musclé que ça. Mes clavicules que plein de gens trouvent bizarres, moi j'ai pas de problème avec ça. Je trouve ça bien correct. Mes jambes aussi, j'ai toujours trouvé qu'ils étaient... Mais maintenant, ça va mieux. J'ai toujours trouvé qu'ils étaient peut-être pas assez musclés. Mon pénis, ben, c'est correct. Mon pénis, j'ai pas de misère avec. Les cheveux longs, ça, les cheveux longs, j'aime bien ça. Ça pogne. Puis vu que je disais que j'ai besoin d'être aimé, ben c'est ça, ça marche, les cheveux longs, ça fait que... C'est ça. C'est beau en tabarnak. Ah oui, ah oui, ah oui. Vraiment un beau bonhomme, tout, là. Puis moi, je te vois comme un gars d'un revue, là. Et les revues là, des mannequins, des affaires là, c'est vraiment beau, gars. C'est le fun. Je trouve que tu le portes bien pour ça, puis tu l'assumes bien. Puis ça, je trouve ça bien le fun. Parce qu'il y en a des gens qui sont beaux, hommes ou femmes, là, puis qui l'assument pas. Moi, ça me met au bout. Je trouve que tu l'assumes bien avec humilité, même. Mm-hmm. Je trouve ça le fun, c'est bien inspirant, puis c'est vrai, tu as décrit de beaux cheveux. C'est D'Artagnan que je vois, là, mais D'Artagnan, le mousquetaire, a-t-il besoin d'être super musclé? Je ne sais pas. Parce qu'il me semble qu'il l'est déjà adroit et habile. Et il a ce qu'il faut pour être. Se dévoiler comme ça devant d'autres, risquer d'être jugé, évidemment. Puis le risque d'être jugé est présent parce que à la base, je pense que chaque être humain, là, pas juste des gars, là, mais on se juge très, souvent très sévèrement autour de notre corps, notre image extérieure.
Je me m'abouille, ma tête, mes épaules, puis je dirais mon corps en général, sauf mon tablier, parce que j'ai pesé 395 livres il y a 3 ans. Puis je suis rendu à 2,40 présentement, je suis engraissé de 40 livres. Là. Alors, il reste qu'au niveau de mon corps, je suis assez fier du corps que j'ai. Assez fier du corps. J'ai une petite bédaine, mais il reste que je suis capable de vivre avec, comparativement à ce que j'avais avant. Je suis très satisfait de ce que j'ai. J'aime bien mon poil, puis d'habitude, quand je me retrouve avec ma dernière compagne, elle aime le poil aussi. Alors ça tombe bien. Non, je suis bien. Je suis bien ce que j'ai. Vraiment, mon enveloppe, j'aime bien. J'aime beaucoup ton regard. Oui. Bien brun, bien présent. Je trouve ça super important et c'est un très beau regard. Une bonne fesse, mais une bonne cuisse aussi. Tu sens le bon gros steak. J'imagine ta blonde qui doit être pas la mort. Il est très performant. J'aime mon pénis, belle relation avec. J'aime mon rire aussi. C'est une manifestation extérieure, j'aime bien ça. Les femmes, généralement, sont celles qui nous donnent des bons commentaires sur notre corps puis sur notre apparence. Et il y en a plusieurs qui l'ont reconnu, qu'ils sont à l'aise parce qu'ils se sentent aimés par une femme. Mais là, ils ont eu un regard masculin. D'après moi, ça va faire une grosse différence dans leur aisance. Moi, j'aime pas mes couilles. Je trouve que j'ai dans la vingtaine et depuis toujours, je les trouve tombantes et ça m'énerve. Trop comment? Je les trouve tombantes. Puis, ça me gosse. Puis j'aime pas mes poils de bras parce qu'ils sont bizarres. Ils font bizarre. Moi, il y a deux mots qui me viennent quand je te regarde. C'est ton élégance, c'est ton rond. T'es élégant et la chine. Mmh. Ouais. Moi, j'aime tes cheveux. Puis, écoute, là, le poil, écoute, c'est clair. Moi, le poil, j'ai fait pour ça. Puis je trouve que t'as l'air comme... Puis moi, je trouve ça cool, là. T'as l'air comme un lutteur sumo. Ouais. Puis, tu sais, c'est ça. Je trouve ça cool, toi. T'es encore pour ça, toi. Si à 60 ans, j'ai l'air de ça, je vais être bien content. Il part bien à soi. Si je suis validé par des hommes sur le plan affectif, si je suis admis, reconnu, apprécié par des hommes, j'ai moins besoin de la validation d'une femme. Donc, je suis moins en dépendance d'elle. Et donc, plus libre de créer avec elle à partir d'un désir plutôt que d'un besoin. C'est crucial, ça, pour nous autres. Sur le plan affectif, on est très souvent dans un mode de dépendance d'être reconnu, aimé, apprécié par les femmes parce qu'on ne le vit pas chez les hommes. On le vit, mais on ne se le dit pas. Non, ça l'est dit.
salade gratuit à l'achat d'une salade repas et d'une boisson format moyen. Je suis content de t'avoir enfin invité. Je suis très contente. Excuse-moi. On va ailleurs? Ouais. Ne manquez rien à cause de vos allergies. La prochaine fois, fiez-vous à Claritin. Aujourd'hui, votre œil peut respirer beaucoup plus facilement. Maintenant, il y a les lentilles Night and Day, les lentilles de contact souples qui transmettent le plus d'oxygène à l'œil jamais conçu. Les lentilles Night and Day sont faites de matériaux révolutionnaires qui laissent passer 6 fois plus d'oxygène dans votre œil que la lentille souple la plus populaire. Tellement d'oxygène que vous pouvez même dormir avec. Approuvé par la FDA pour un usage continu jusqu'à 30 jours et nuit. Parlez-en à votre professionnel de la vue. Night and Day, tellement d'oxygène que c'est le jour et la nuit. C'est la révolution dans le monde du rasage, car grâce à Vite, vous pouvez maintenant vous raser sans lame. La nouvelle trousse épilatoire avec rasoir sans lame Vite agit en 3 minutes à l'aide d'un gel crème. Fini les coupures, la peau sèche et les repousses drues. Votre peau reste douce jusqu'à 2 fois plus longtemps qu'avec un rasoir à lame. Si seulement c'était plus doux, là aussi. Le nouveau rasera de Vite, la sensation demeure. Ma mère a moins influencé dans mes relations avec les femmes. C'est, je pense avoir cherché le modèle un peu une copie de ma mère, là, si j'ose dire. Ça, je vois ça avec le recul. Là, ça. Quand je me suis marié à 26 ans, c'était pas évident comme ça. Une ex, entre autres, me disait, tu vois en moi ta mère. Non, pas du tout. Là. Ma mère, ça fait longtemps que ça fait longtemps qu'elle est mise de côté. Elle, dans le fond, j'ai été mise au monde par elle, mais il reste que dans ce qui est... C'est triste de dire ça, là, je veux dire, c'est parce qu'en même temps, j'ai rien d'émotif qui me rattache à elle. J'ai rien d'émotif. Ma relation de couple, finalement, il y a des choses qui brassent beaucoup. Et c'est dû beaucoup à la relation avec ma mère. Et là, je me rends compte que ça aussi, c'est primordial. Puis ça a modelé toute ma relation avec toutes mes conjointes. Ma conjointe actuelle, ça passe ses proches souvent. Là. Écoute, ça fait 10 ans, 11 ans qu'on est ensemble. C'est la relation la plus longue que j'ai eue là, avec une femme. Et ça passe ses proches souvent de la séparation, tout ça. Mais on trouve toujours un moyen de se parler ou d'aller au fond des choses. Relation avec la mère. L'importance de se libérer d'une espèce de carcan, de culpabilité. Et de,
mal-être autour du féminin, autour du féminin dominant ou du féminin protecteur, qui peut être comme un carcan pour les gars. De façon très succincte, là, en quelques mots ou en une phrase, si vous résumiez la relation avec votre mère, comment, prenez le temps de penser, là, comment je la décrirais, cette relation-là avec ma mère, dans son ensemble. Je leur demande d'écrire une lettre à leur mère et surtout, je leur dis de ne pas se censurer. Après ça, ils auront le choix de la lire ou de s'en servir comme référence. Car je crois que le défi pour un homme, c'est de sortir de son rôle de bon gars et d'être capable d'exprimer à sa mère ses vrais sentiments. Maman, j'aimerais trouver les mots justes pour te dire tant de choses qui sont restées non dites tout ce temps-là. J'ai l'impression d'avoir... Par contre, je te remercie du cadeau que tu m'as fait de me mettre au monde. Tout en comprenant bien qu'un cadeau, c'est quelque chose qui est donné gratuitement. C'est pas quelque chose qui est donné avec des attaches. Et que seulement à cette condition-là, ça devient une manifestation d'amour. Je suis né de ta chair et celle de mon père. Tu m'as cependant laissé tomber dans le chaos rapidement. J'ai dû construire sur mes propres bases, sans repère maternel. Oui, c'était ma mère, c'était ma maman. C'était mon ange quand on était très jeune. Toi qui semblais souffrir. Qui pleurait. Je n'ai jamais pu connaître la cause de ton malheur. Peut-être même, je me suis dit à cette époque-là que... Est-ce que je suis la cause de ton malheur? Je n'ai plus besoin de mère comme lorsque j'étais enfant. J'ai envie d'être libre sans le poids de ta vie, sans le poids de ta peine, en vivant ma propre vie. Maman, j'aurais tellement besoin que vous me disiez... que vous m'aimez comme je suis. Et je te remercie d'être encore vivant pour qu'on puisse être proche et on dit encore ensemble. Et ce que je déclare aujourd'hui devant toi, c'est qu'afin de pouvoir t'aimer librement et sans obligation, je me détache de toi. Je t'aime. J'ai réussi à inviter 4 femmes, 4 mères à venir nous rencontrer, dont 3 d'entre elles ont leur fils avec nous. Jeff, ta mère est ici. Oh, ça fait partie du groupe. Jacques, ta mère est là. Ça fait partie du groupe. Daniel. Ta maman, ça fait partie du groupe. Alors, je veux absolument valider ça avec vous autres. Puis ça a été validé avec elles. J'ai parlé avec les mères. Elles sont absolument ravies, contentes. Puis ce qu'elles m'ont dit, c'est qu'ils nous disent. Je suis prête à entendre, à comprendre notre démarche. Mais dans votre cas, je veux que ce soit votre choix. Si vous ne sentez pas que ça vous supporterait à ce moment-ci, que de le faire directement avec elles, elles le savent, elles vont être invitées à quitter. Puis vous communiquerez aux 3 autres qui sont là. Je me sens tout bien à l'aise. Bon, c'est correct. Ça va? C'est le cadeau que j'aurais aimé. Tout, ça ferait. J'ai pas été capable. J'ai essayé. Vous ne savez plus où donner de la tête?
Participez au concours, gagnez de l'espace avec le grand ménage et IKEA. Et vous pourriez gagner l'une des 5 cartes cadeaux de 1 000 $ pour organiser votre espace. Repérez l'indice IKEA, diffusé pendant l'émission Le Grand Ménage. Inscrivez-vous en remplissant le bulletin de participation au www.canalv.com. Et le tour est joué. Avec le grand ménage et IKEA, le ménage du printemps n'aura jamais aussi bien tombé. Et maintenant, voici le porte-soie dentaire Hummingbird de Oral-B. Hummingbird vibre. Utiliser la soie dentaire est plus facile et vous procure une sensation agréable. Ouais, bébé. Offert avec des cure-dents flexibles. Oral-B Hummingbird, une nouveauté qui vous fera vibrer. Vous attendez-vous aux 240 chevaux d'un moteur V6 VTEC à 24 soupapes? Un système de traction asservi? Une boîte automatique à 5 rapports? Et un intérieur spacieux, bien aménagé et garni de cuir? Accélérez vos attentes. L'Accord EX V6 2004 de Honda. Je vais aller droit au but. Si vous avez de petites fuites, on est nombreuses dans ce cas-là. Il vous faut peut-être une nouvelle serviette. Parce qu'il y a les serviettes hygiéniques et on sait tout à quoi ça sert. Et il y a ceci, les serviettes Poise, conçues pour les petites fuites occasionnelles. Elles contiennent des granules à l'intérieur appelées Dry Touch, qui attirent l'humidité et la retiennent. Alors, fini l'humidité et les odeurs. Ce qui compte, c'est d'être au sec, confortable et de savoir quelle serviette utiliser, Poise. Finalement. Le sulfate de glucosamine Adrien Gagnon, un supplément alimentaire reconnu de premier choix. Écoutons le témoignage de M. Jean Barnes. Je suis un gars compétitif qui aime relever des défis. Cette année, en plus de mon travail, j'ai même construit ma maison. Pour garder la forme et me détendre, je fais du sport à tous les jours. Je prends aussi du sulfate de glucosamine de marque Adrien Gagnon depuis 5 ans. Exigez la glucosamine de qualité Adrien Gagnon en pharmacie. Qu'est-ce que tu voudrais? Tes cheveux, doux et souples, sans pellicule. Dis-moi ton secret. Ça va te surprendre, mais c'est grâce à Head & Shoulders. Quoi? Mon père se servait de ça. Bien d'aujourd'hui, le Head & Shoulders pour cheveux lisses, soyeux et hydratés contient 2 fois plus d'hydratants. En plus de contrôler les pellicules, il laisse les cheveux doux et soyeux pousser. Superbe! On est plutôt loin du shampoing qu'utilisait mon père, hein? Head & Shoulders, pour un contrôle des pellicules et des cheveux doux et soyeux, pour une agréable surprise. Comment protéger votre voiture des rayons UV dommageables? Essayez Armor All. Le protecteur Armor All fait plus que nettoyer et polir, il protège. Et maintenant plus que jamais, avec notre meilleure formule contre les rayons UV. Je t'ai jamais vu ému, je t'ai jamais vu touché. Moi, je t'ai jamais vu comme ça. Ça me manque beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça m'a manqué beaucoup, beaucoup. Puis aujourd'hui, je prends conscience des répercussions que ça a dans ma vie, effectivement, à moi, la mienne. Comment moi, je suis rébarbatif à me laisser toucher. Comment j'ai honte quand je suis touché, quand je suis ému. Ça
ça m'a fait bien mal. Ce que tu m'as appris. Ce que je crois que tu m'as appris. Moi, je me suis senti souvent, quand je suis allé vers toi, surtout quand j'étais plus jeune, invalidé. Ou plutôt invalidé d'une façon qui était... que ce que je vivais, c'était minimisé. C'était comme, c'est pas grave. C'était minimisé. Même des fois, nier complètement. Nier complètement. Puis moi, j'ai appris dans ça à pas me fier en moi. Parce que ce que je vivais, c'était pas correct. Mais non, c'était pas correct. C'était pas vrai. Fait que ça existe pas, c'est pas vrai. Donc, ce que je sens dans moi, c'est pas bon. C'est pas bon. Aujourd'hui, je disais que j'étais rendu à un point où ça comme oh, fuck, si j'ai 43 ans, fuck it, là, si je vais continuer sur mon aide d'aller de même en superficie, puis ça va régler la patente, tu sais. Mais il y a une place dans moi que j'étais. Je te trouve belle, je te trouve grande, mais en même temps, cette grandeur-là, elle m'a étouffée, elle m'a... ton omniscience, là, tu sais, première du Québec, pis ça, puis elle dit, oui, ben moi, je vais être capable d'être là, tu sais. Ça me manque d'être en relation avec toi. Je me sens pas en relation avec toi. Puis pourtant, je pense que l'intuition, c'est pas rien que pour les femmes, là. Puis moi, j'intuitionne qu'il y aurait de quoi de beau qui pourrait se créer. Mais je suis très beau d'affaires. Moi, je pense, moi aussi. Mais j'ai besoin de savoir que si tu viens dedans, j'ai besoin de savoir que t'es touchable, j'ai besoin de savoir que tu vis, que t'as de la peine, que t'as de la joie, que t'es ému. Mais je pense qu'avant ça, il faut que tu saches comment est-ce que j'étais en colère par rapport à toi. Mais je suis toujours senti reconnu quand que je faisais ce qu'il fallait faire. Quand j'étais gentil, mignon et charmant. Le bon gars. Je suis pas ce qu'il faut que je sois. Je suis ce que je suis. C'est valide, c'est grand, puis c'est beau. Je suis très reconnaissant que tu sois là aujourd'hui. Très reconnaissant, puis merci d'avoir invité ma mère. Et je vais t'aimer. Avec toi, je me sens encore comme un enfant. C'est effrayant, c'est comme... C'est viscéral. Quand je te parle de mes choses, c'est comme... Je sens que ça passe dans le vide. Tu y crois pas. Il y a plein de notions que j'ai achetées. Que le monde extérieur, c'est pas facile. La réussite, c'est pour les autres. La richesse, c'est pour les autres. Nous autres, il nous arriverait jamais rien. Tu sais, j'ai jamais senti d'encouragement. Tu sais, j'ai toujours senti comme une autorité, la main de fer qui était là, la femme de fer. Puis là, je me ramasse à 47 ans, à pu être un petit cul devant toi, à dire « Non, je suis un homme, je fais des choses, je veux accomplir des choses, puis je t'aime. » C'est ça le plus beau, tu sais. Tellement émotif. C'est tantôt quand on disait qu'il y avait quatre femmes qui allaient monter, j'ai espéré que tu sois là. Mais quand on m'a dit que t'étais vraiment là, j'ai vraiment eu peur. Oh.
mots que je pourrais mettre sur notre relation durant toute mon enfance, c'est d'être surprotégé. J'ai tellement été protégé. Puis pourtant, j'ai pas beaucoup d'images, mais celle que j'ai, c'est lorsque je vais voir papa, puis j'y demande quelque chose, puis il me dit non. C'est toujours le non qui me fait donc peur. Puis que finalement, je me tourne, puis je te regarde, puis t'attends dans le coin, puis finalement, tu fais comme un acquiescement, puis là, c'est toi qui finis par lui faire dire oui. T'sais. Parce que je suis content sur le coup. C'est à ce moment-là. Mais aujourd'hui, je me rends compte que tout ça, ça m'a empêché de dealer avec les noms, puis de dealer avec, avec les hommes. Dealer avec le refus. Puis aujourd'hui, j'ai encore peur des hommes comme ça qui me font penser à papa. Puis du moment qu'ils deviennent agressifs un peu, je me recule. Ça m'empêche aujourd'hui d'être un homme, pleinement. Puis du moment que je me sens mal, ben, je retrouve ma blonde, puis je trouve qu'elle ressemble à Nathalie aussi. J'aimerais ça être en contact, j'aimerais ça te connaître. Plus tes émotions. Je te connais pas. Intimement. Je sais pas quelles sont tes craintes. Quelles sont tes peurs. L'année dernière, c'est pour ça que je vous avais demandé à toi et papa si je pouvais vous appeler par votre nom. Puis je fais finir ça par que la relation que je veux développer avec toi, Jeanne, c'est une relation d'amitié. C'est beau. Merci. Yeah. À le montrer, comme moi, là, je... À un moment donné, je ne pas le choix. Tu vas aller sur son ménage, ça va te mettre. Ah, qu'il est bon. C'est un autre affaire. Oui, oui. Exactement. Cette semaine à C'est ma vie, Chantal nous parle de sa maladie qui a provoqué la perte de tous ses cheveux et de tous ses poils. C'est ma vie, c'est notre histoire. Dites-moi, vos lentilles vous semblent sèches? Alors, quelle est votre solution? OptiFree Express sans friction, formule de confort durable, attire l'humidité à la surface de vos lentilles et l'y maintient, pour que vos lentilles soient confortables toute la journée. À l'achat d'une salade repas et d'une boisson format moyen. Voici qui marque un tournant important dans le nettoyage en profondeur. Les nouveaux coussinets moussants de Olé pour un nettoyage en profondeur avec un côté tout en douceur. Un côté pour nettoyer en profondeur et exfolier et un autre côté pour peaufiner et parfaire délicatement le tout. Voilà qui fait le tour de la question du nettoyage en profondeur et qui procure à la peau un éclat naturel. Les nouveaux coussinets moussants de Olé. C'est beau d'être bien dans sa peau. Il était une fois, j'agissais comme un goujat.
du paradis. Un homme qu'on met en vide, que la joie se vide. Membre du jury, le même Kellogg qui vous a trompé avec les mini bouchées granola Nutri-Grain. Récidive. Oui, la garniture de vrais fruits, la croûte tendre et fondante dont tous raffolent. Mais dans un format mini, ce serait merveilleux. Si seulement c'était vrai! Vous la trouvez mini, vous, cette succulente collation? Non. Pourquoi? Parce qu'elle est énorme! C'est de la fausse représentation de temps! Les mini-barres de céréales Nutri-Grain de Kellogg. Elles sont mini, si t'es pas petit. La preuve est écrasante! Regarde autour de toi. Trouve ce que tu ne cherchais pas et découvre ce que tu n'as jamais imaginé. Voici le film haute définition de Kodak. Sa technologie réduit le grain pour des photos nettes jusque dans les plus fins détails. Regarde autour de moi. C'est ce que j'ai appris à l'école aujourd'hui. Kodak vous invite au cinéma. Obtenez 5$ de rabais à l'achat de produits Kodak désignés. Si un grand garçon, il sait plein de trucs. Les sous-vêtements d'entraînement Polox s'enlèvent sans fil comme des sous-vêtements Big Kid et restent bien en place. Et seuls les Polox sont des côtés faciles à ouvrir juste au cas. C'est si grand maintenant. Au-delà des préjugés, la réalité se dévoile au quotidien. Découvrez la communauté gay d'une ville colorée. Entrez dans l'univers de Art à Montréal, vendredi 22h à Canal Vie. Je connais pas très bien le monde des hommes parce que j'ai été élevé exclusivement par des femmes. J'ai jamais vécu avec mon père, j'ai eu deux sœurs, pas de frères, des tantes, des oncles plus en retrait, une grand-mère plus omniprésente que le grand-père, donc tout un facteur, même le chat c'était une femme. Donc vraiment j'ai tout le temps baigné dans une énergie féminine. Une ambiance féminine, avec une sensibilité féminine. Et puis, j'étais assez sauvage, enfant. Je n'ai pas pu être en contact avec d'autres garçons de mon âge. Et je pense que ça m'a laissé une crainte par rapport aux autres hommes. Donc le sens d'une activité comme la lutte pour des hommes, c'est d'entrer en contact avec quelque chose qui est encore une fois typiquement masculin, de la compétition physique. Ils ont l'occasion d'entrer en contact avec leur force, leur endurance, de se mesurer à un adversaire, de jouer pour gagner et en même temps, dans un contexte où l'honneur est plus important, ça veut dire reconnaître son adversaire pour le dépassement que chacun peut vivre. C'est une occasion de se toucher physiquement quand c'est pas nécessairement commun de le faire. C'est permis de le faire dans ce cadre-là. Et il y a un rapprochement absolument extraordinaire qui se vit entre les hommes. Moi, il y a une partie que j'ai bien aimée, c'est justement le contact physique ici. Ouais. J'ai trouvé ça le fun.
Et puis, j'avais pas de censure, rien. C'est comme, si moi, je pognais que je l'avais à poignée. J'ai trouvé ça le fun, puis oui. J'ai senti de toi aussi. Que... Oh, c'était pas. J'aimais ça. C'était mâle. Oui, c'est ça, c'était mâle. Moi, j'ai senti ça hier soir, déjà, il y en avait de ça entre vous autres. On parle du rapport de tendresse là, ou d'affection entre les gars. Puis c'est vrai que quand on est jeune, c'est important de faire ça, de batailler, puis à jouer des jeux physiques ensemble. Moi, quand mes garçons étaient jeunes, on avait notre lutte quasiment quotidienne. Le soir, sur le tapis du salon, c'était le fun. Parce qu'à travers une espèce de jeu de compétition, de bataille, on se touchait, on se caressait, on riait, on déconnait ensemble. Je connais ça avec mon frère, moi, longtemps. Là, ça arrive autour de l'adolescence que c'est fini, ces affaires-là. Là. Il y a comme une gêne qui s'installe, une certaine pudeur. Je m'attendais pas vraiment à gagner, non. Tu sais, au départ, je me rends compte que je le faisais, mais je le faisais pas pour gagner. 1, 2, 3, go! Quand j'étais plus jeune, j'étais extrêmement compétitif à un point que je m'enrageais quand ça marchait pas, là, tu sais. Puis ça, je veux pas jouer dans la rage qui suit. Je veux pas tomber dans cette partie-là. Oh. Parce que pour ça que j'aime ça jouer, faire, tu sais, tout le scheme qui va autour, là, le regard, les yeux. Je sais pas comment il s'est senti en avant de moi, là, mais... J'ai l'impression que la relation avec les hommes a toujours été une relation de pouvoir. Une dynamique d'échange, mais toujours empreinte d'une certaine autorité. Si on prend mon cheminement, quand j'ai quitté la famille, c'était pour entrer dans les forces armées, donc militaires. S'il y a un encadrement structuré, c'est bien là. Quand j'ai quitté les forces armées, j'ai essayé quelques petits métiers pour me retrouver comme policier, encore une fois, dans un encadrement. Donc j'ai toujours été confronté à l'autorité, à la structure. Et là, maintenant que je suis à deux doigts de la retraite, je cherche à me dégager de toute structure, ce qui n'est pas évident là, comme changement ou transition à faire. Go! Effectivement, ça peut être perçu comme c'est rough, ça. C'est ça que les gars aiment faire. Puis bon, je comprends que les hommes sont violents à ce moment-là. Ou je comprends que les hommes sont excessifs. C'est drôle, hein, je te dirais que c'est parce que les gars vivent pas des expériences comme ça qu'ils deviennent violents. Quand ils accumulent, ils accumulent, ils accumulent, puis ils n'ont pas leur espace vital, puis ils disent pas ce qu'ils ressentent, à un moment donné, ça saute. Puis ils tombent dans des comportements très excessifs, comme la violence verbale, puis la violence physique aussi. Fait que moi, je pense que ça sert, entre autres, pour un homme, d'avoir des sources de défoulement où physiquement, il se vide, puis se mesure aussi. C'est apaisant. Puis c'est pas reproduit ensuite dans son quotidien. Je pense que c'est important d'être protecteur, d'avoir ce rôle-là de protection en tant qu'homme, soit pour nos enfants, soit pour une femme. Bon, puis je veux pas être diminutif des femmes non plus là-dedans, parce qu'il y a plein de femmes qui sont bien assez fortes physiquement, là, mais... Oh non, c'est ça, définitivement.
C'est ces protecteurs. Puis le plus drôle là-dedans, c'est que la majorité de mes copains ont tous été des gars 6 pieds 5. Un de mes bons copains, je veux dire, c'est un forgeron, puis il est super costaud, puis tout ça. Tu sais, je veux dire, pour moi, l'image de l'homme, justement, le côté physique de l'homme, en tout cas fort, là, c'est lui, tu sais, à quelque part. C'est 6 pieds quelques, super costaud, super protecteur, t'sais. Pour celles qui osent, un nouveau look s'impose. Mettez un peu de folie dans votre vie. Retrouvez Isabelle Boutin à Métamorphose du lundi au jeudi, 11h30 et 22h30. C'est trop cher. Oui, merci. C'est trop cher, monsieur Bosson. Une autre fois, peut-être. Oui. Ah, à ce prix-là, j'achète. Chez Métro, merci. On travaille fort pour vous négocier les meilleurs prix. Pendant l'événement viande, profitez de nos prix coupés. La demi-longe de porc frais est à 2,59 la livre. Et le bistec au rosbif de côte bœuf mérite est à 5,99 la livre. Vous faire économiser, c'est aussi ça, être épicier. Nettoyer, organiser, ranger, débarrasser, aménager, jeter, poussiérer, installer. Vous n'y arrivez plus? Notre équipe voilà à votre secours. Vous êtes en ménage mercredi, 12h30 et 23h, Canal V. La crème de nos yogourts de Danone. Texture unique, riche et onctueuse. Rehaussée d'une touche de vraie crème. L'irrésistible, la crème du yogourt de Danone. Vous ne pourrez plus vous en passer. Voici le X-Trail de Nissan. Le petit VUS qui voit grand. Grand style. Grand espace. Grande sono, grande utilité. Et curieusement, il ne coûte pas grand-chose. Le X-Trail de Nissan, le VUS qui évolue au rythme de votre vie. Il y a le tout nouveau menu fraîcheur de PFK à découvrir. De belles salades rafraîchissantes qui regorgent d'ingrédients inspirants. Mmh, orange juteux, tomates bien mûres, concombre exquis, ananas sucré. Ah, le menu fraîcheur de PFK, parfait pour rafraîchir tous vos repas. C'est un cadre PFK. Thank you.
fin de semaine parler de ma sexualité, t'entendre parler de la vôtre. C'est pas pour rien. C'est un peu comme un secret. J'ai ma réputation. Non, c'est pas une réputation que je me suis faite, mais j'ai souvent essayé de d'avoir de l'air un gars sûr sexuellement, puis que ça va bien, puis que, bon, surtout, vous voyez le portrait. Puis dans le fin fond de moi, ben c'est pas ça pantoute. Je suis extrêmement fragile, moi, sexuellement, au niveau de l'estime que je me porte, de la valeur que je me donne. Très fragile. Hein? Rien peut faire que je me remets en question, que je me trouve pas bon. Je sais que je suis fragile, mais je montre pas ça. C'est comme si je jouais une game à l'extérieur avec les femmes que je connais. Puis là, je suis tanné de ça. Je suis fragile. Je suis pas si sûr de moi que ça. Puis je suis pas une bête, tu sais. Mais ça, en estillé, six boîtes de colis, t'as demandé à quelqu'un capable de faire ça 2 heures de temps, puis 2 heures en métro. Une demi-heure, si tu sais. Je suis content de le dire, mais ça reste important pour moi, que je veux pas rester tout seul avec ça, fait que j'aimerais ça que s'il y en a d'autres qui la connaissent, ce que je viens de dire là, que vous preniez du temps pour partager avec moi un moment donné, au cours des jours qui nous restent. Ça me ferait du bien à moi. Moi, quand je fais l'amour, je le fais peut-être d'une manière beaucoup plus féminine que masculine. Et quand il y a vraiment de l'amour, personnellement, je capote et je pense que c'est réciproque. Puis, je sais pas, c'est très sensuel, c'est très dans les détails. C'est un bon baiser, ça me fait bander. C'est à la fois doux, moi, je vois les étoiles. Mais je sais pas, je me suis construit comme ça, alors je trouve ça drôle, mais c'est cool d'échanger ça. Complètement à l'opposé, j'ai toujours performé. Et la demi-heure, j'ai pas de problème avec. Sauf qu'aujourd'hui, ce que je réalise, c'est que quand je fais l'amour, je fais pas l'amour, je baisse. Je suis pas capable d'un moment de tendresse. Je suis pas capable de prendre le temps de caresser un corps. Je suis pas capable de prendre le temps de serrer. Moi, à un moment donné, je bande, puis c'est comme, on y va, puis on rentre, puis... Mais je suis pas capable de juste prendre le temps de prendre le temps, parce que ça me fiche, puis je suis là, puis je perds un peu comme mon érection, puis je suis comme, c'est le fun bébé, puis je... Asti, c'est comment dire, c'est... Un manque de confiance. Autant que je peux être performant, mais la performance perd tout son sens s'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas d'échange. Et toutes les blondes que j'ai eues, je les ai tous perdues à cause de ça. C'est qu'à un moment donné, c'est le fun, le cul, là, André, là, mais ça prendrait un peu plus. Oui, j'atteins l'orgasme, mais ça ne me comble pas assez. Tu ne me donnes pas de tendresse, tu ne me donnes pas d'affection, tu ne me donnes pas d'amour. Je n'ai pas l'impression que je suis importante pour toi. J'ai juste l'impression que demain matin, il va en avoir un autre. Tu vas faire le même pattern, puis ça va être correct. Tu vas aller chercher ton bonbon ou ton anane. Puis donc, je peux pas construire une vie de couple avec toi. Et je me suis toujours arrangé pour me désengager avant un peu que ça arrive. Parce que le pattern est là depuis 20 ans, finalement. Et je vis présentement une période de transition avec ma douce, qui est, est-ce que je veux vraiment changer? Est-ce que j'ai besoin de changer? Est-ce que c'est juste parce que j'ai toujours trouvé des filles qui cherchaient l'homme rose, qu'on entend parler, mais que finalement, définition, il y en a-tu une, on ne sait pas vraiment. Je sais vraiment pas quoi faire avec. Je suis très sérieux, là. Moi, j'ai connu beaucoup aussi ma sexualité dans la drogue, puis dans l'alcool, puis c'est facile, je veux dire, une ligne de coke. Moi, je deviens ben, OK, waouh, là, j'embarque là-dedans, puis je deviens là, performant au bout, comme genre film de cul, tu sais. C'est un peu ça l'affaire, l'image. Mais après ça, sortir de ça. Okay. Donc là, il y a 3 ans, on a complètement arrêté de tout prendre. Ça fait que là, on doit réapprendre à se connaître.
Puis là, réapprendre à se connaître dans la vie de tous les jours, le travail, ça va, mais au niveau de la sexualité, là, ouf, ça là, c'était pas évident. Ça fait que ça, j'ai vraiment pris un coup dur parce que avant, les orgasmes y étaient, puis du moment qu'il n'y avait plus l'alcool ni la drogue, les orgasmes y étaient plus pour elle, là. Et là, finalement, elle le faisait juste pour moi. Puis là, je sentais qu'elle était rendue frigide, tu sais, que... Puis que ça y tentait moins. Puis, écoute, il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines de ça, on a fait l'amour. Puis je pense que j'ai jamais fait l'amour comme ça. Moi aussi, j'ai ce côté féminin-là, comme tu disais tantôt, Yann, ou être capable de juste toucher, juste flatter. Mais j'ai de la difficulté à la reine. Je ressens cette sensibilité-là facilement, parce que je suis un jouissif de la vie aussi. Je suis bien sensible. Ça fait que je peux comprendre ça chez l'autre aussi, t'sais. Toucher doucement, tout ça. Mais j'ai vécu ça avec Nathalie, où on se sentait vraiment hyper proche l'un de l'autre, mais connectés, là, où on n'était pas dans la performance du tout. Où on s'est laissé aller, où le temps n'avait plus aucune importance. Et puis, on était vraiment calme, on tournait, on faisait juste se flatter, c'était plus la pénétration, il y en avait aussi, mais tu sais, c'était plus du tout le film de cul, tu sais. C'était bon. C'est ça. Moi, je tiens à vous dire que je suis gay. Puis moi, je suis bien avec ça. Ma famille le sait, puis tout ça. Je ne l'ai pas dit au moment de passer l'interview parce que j'avais peur d'être disqualifié à cause de ça. Mais je tiens à ce que vous le sachiez maintenant parce que je ne me sentirais pas honnête de ne pas le dire. Gay ou pas, ça ne fait pas de différence. Moi, je suis bisexuel. Puis, je l'ai partagé avec beaucoup d'amis. Et c'est tout à fait correct. Et puis, je le vis assez bien, mais j'ai beaucoup de mal de le partager avec d'autres gars. Parce que j'ai l'impression de faire de moi un demi-homme. Et moi, je me sens homme, je me sens mal, vraiment mal. Puis je me sens mal quand je suis avec une femme, quand je suis avec un homme, je me sens pareil. Mais disons que le sentiment amoureux est apparu dans les deux cas. Et je me sens un peu différent parce que je suis un peu pris entre deux chaises. Et autant j'ai des amis hétéros que gays. Et puis je me sens vraiment incompris des deux bords parce que ils comprennent pas que je puisse être attiré par les deux. Et je trouve ça difficile à vivre parce que, évidemment, la sexualité, c'est ce qui nous fait aussi triper, dans tous les sens du terme, et moi, j'ai envie de le vivre dans mon quotidien. Puis, j'avais très peur de vous parce que j'avais pas envie de, c'est un peu stupide à dire, mais de jouer la moumoune de service parce que je me sens pas comme ça. Et puis, je vous l'ai dit, moi j'ai envie d'être reconnu comme gars par d'autres gars. Et puis qui reconnaissent en moi à la fois ma masculinité et ma féminité. Car notre équipe relève tous les défis. Pas de répit pour l'équipe de Décor ta vie du lundi au jeudi 11h et 22h. Vous ne vous attendriez pas à avoir d'aussi beaux cheveux grâce à un shampoing anti-pelliculaire. Et pourtant... Prenez Head & Shoulders. Je l'ai utilisé et croyez-le ou non, tada! Voyez un peu ça. Vous vous attendez à un contrôle des pellicules, mais Head & Shoulders pour cheveux lisses, soyeux et hydratés contient aussi deux fois plus d'hydratants. Le double d'hydratant pour des cheveux incroyablement doux et soyeux. Que les reines de beauté voudraient. Dans un shampoing contre les pellicules. Head & Shoulders, pour un contrôle des pellicules et des cheveux doux et soyeux. Pour une agréable surprise.
Les faits. Vous partagez les tâches. C'est ce qui rend votre couple si harmonieux. Le souper est au réchaud. La chambre des enfants est rangée. La toilette. Un instant, j'ai un appel. Voici la nouvelle brosse éclair de Lysol. Un système révolutionnaire de nettoyage pour cuvette qui allie le brossage au pouvoir nettoyant de la mousse Lysol. Nettoyez à fond d'une seule main avec la nouvelle brosse éclair Lysol, fraîchement parfumée. Oui, la toilette est faite. La nouvelle brosse éclair de Lysol, c'est nettoyé en un tournement. Il reste à sortir les poubelles et dans le garage, juste à pousser les bûches. Répertoire complet, information communautaire, carte et plus encore, superpage, votre annuaire Télus. La crème de nos yogourts de Danone. Une texture unique, riche et onctueuse. Rehaussée d'une touche de vraie crème. L'irrésistible, la crème de yogourt de Danone. Vous ne pourrez plus vous en passer. Vous invite à découvrir ces délicieuses salades fraîches et croustillantes remplies d'ingrédients inspirants. Rafraîchissez tous vos repas. Ici Joanne Prince. Aujourd'hui, plusieurs personnes refusent carrément de vieillir et tous les moyens sont bons pour cacher leur âge. Cette semaine à Jeux de Société, l'obsession de la jeunesse. Vraiment? C'est pas juste les poissons qui sont à l'eau. C'est une lettre, effectivement, de votre conjointe, votre amoureuse, votre amoureux. En fait, ce que je leur ai demandé, c'est d'écrire une lettre d'une page. Et ce que je leur ai demandé, c'est essentiellement de reconnaître pourquoi vous avez choisi, ce qu'elles aiment de vous, ce qu'elles considèrent que vous avez en commun. Et ce qu'elle souhaite avec vous. Ça va? Je suis surpris parce que Charles n'aime pas ça écrire, premièrement, parce qu'il se trouve pas bon en français. Mais en même temps, je suis pas surpris parce que c'est le gars qui est toujours plein de petites attentions pour moi.
Moi, j'ai l'impression d'être dans une forme d'inconnu. Moi, je suis partagé entre deux sentiments. Celui de la peur de lire ce que je vais découvrir dedans. Et en même temps, par la joie de savoir qu'il y a quelque chose d'écrit qui est à moi là-dedans. Je trouve que c'est bien organisé, mais je vais en revenir. C'est adorable. Et voyons voir ce que l'enveloppe me réserve. À toi, mon bel amour. Bonjour, Yann. Ça commence bien, le stylo m'a lâché. Mon beau, mon grand. Cher Jean-François. Mon beau Pierre. J'aime ça quand t'aimes ça. Jacques, mon grand amour. Mon chéri, j'ai le syndrome de la feuille blanche. J'ai vraiment peur. Pas même ta mère d'arriver au bout. Un jour, je me demandais si l'ange Gabriel m'avait oublié. Comme un rayon de soleil, tu es venu dans ma vie. Pour moi, tu es mon propre ange gardien, mon petit prince. Tu es un homme doux dans ta rudesse, tendre dans ta force, sensible dans ta solidité. Tu es facile à aimer, mon amour. Aujourd'hui, je te choisis, Jacques, et j'accepte de devenir ta femme. Tu me donnes l'espace pour avancer. Je suis avec toi. Pour ce que tu es, devenu un homme vrai, dans tous les sens du mot. C'est que je t'aime. Le fait que nous nous séparions bientôt ne change rien de ce que je pense de toi. Quoi qu'il advienne dans l'avenir, tu demeureras toujours un ami pour moi. Ça, tu peux en être sûr. Je t'aime pour ta simplicité qui quelquefois m'a fait sourire. Je t'aime pour tes efforts pour être romantique. Je t'aime pour ta force de chevalier. Je t'aime pour ta sensibilité de troubadour. J'aime ta grande sensibilité sous des airs de Gotthoff. Ton rire témoigne d'une joie de vivre et reflète une âme de paix. Ta sensualité me fait vibrer et certains regards me font fondre. Je suis encore épaté par la simplicité de notre relation. Je n'ai jamais vécu cela. Nous avons un moment difficile à affronter. Mais nous souhaitons que ce sera pour nous donner un meilleur avenir. Un avenir de paix et de bonheur. Tu es mon homme. Et je désire que tu sois le dernier homme de ma vie. C'est beau. En somme, tu aurais besoin d'une injection de confiance en soi, car ce n'est pas chez toi que ça cloche, mais chez les autres. Merci d'être dans ma vie et de remplir mes jours de tes belles paroles et de ton encouragement. Tu seras pour moi unique au monde, je serai pour toi unique au monde. Auprès de toi, mon beau Pierre, j'ai l'espoir de vieillir. Ta dame Diane. Restons ensemble, le meilleur est à venir. Richard. Un vrai gâteau sucré. Tout ça, oui.
Ah, tabarnouche, c'est superbe. Je t'aime, Nathalie. Des cœurs. C'est bon, Chris. Je t'aime, Annick. Et j'ai signé d'une larme. J'ai hâte d'être à nouveau dans tes bras. Je t'aime, Louise. Ah, je l'aime. Je t'aime. Ah. Wow. Je pense que je vais débarquer. Les gars ensemble, on déconne, on a du fun, puis si on prend la peine de s'ouvrir, puis vraiment se dire des vraies affaires, il y a une connexion au niveau du cœur qui est installée. Puis quand je reviens auprès de ma blonde, là, ah, le sang, c'est clair. Je suis pas pareil, je suis plus tendre. Ça va, plus le bordel s'en vient ici, parce que ici c'est le stock mouillé. Ah. On a même des affaires des ondes. Hey! J'ai ramassé deux sacoches noires, tu me parles de ça, il y en a peut-être une là. Les gars, je suis même pas capable de fermer le couvert à la toilette, parce qu'on arrive ici, ça sent. Oui, ça, c'est peut-être à faire. Non, hein? Bon, ça. Mal prendre, moi. Non, ça, c'est à moi. Tu vas bien, c'est là, je trouve. C'est à moi. Non, ouais, OK. Bon, on va les exposer, c'est tout. Ça va être la meilleure affaire à faire. C'est tout seul, je suppose? Non, c'est vrai que... Ah oui, c'est vrai, c'est un concours. C'est rien que je me prépare. On va rejoindre Louis, après-midi. En même temps, je suis comme... Tristesse, tu sais. Mais c'est pas morose, là, c'est une tristesse, une belle, belle tristesse. Ça se termine. Mais c'est pas une fin, là. Parce que je repars avec un beau bagage, je repars avec une vibration d'un peu tout le long, là. Mais je repars plein. Aha! Je vais vous dire qu'à chaque matin que je me levais, là, je me sentais comme si je l'avais trop laissé aller la veille. Je me sentais bien vulnérable. Puis à force que j'étais avec vous autres, oups, là, on se parlait, on se regardait, là, je me sentais super bien. Je trouve les hommes, je les vois de mieux en mieux. Peut-être que c'est parce que je me vis de mieux en mieux. Je suis de plus en plus entouré d'hommes intègre, honnête, loyal. Je sens de plus en plus ça chez les hommes. Puis en même temps, je sens aussi que des fois, c'est très difficile d'être intègre, d'être loyal et puis d'être honnête. Puis j'ai beaucoup d'affection et d'amour pareil pour ça, parce que moi, je suis comme ça. Échappez-moi pas de date, tabarnak!
Ok, bon. Je suis en paix avec les hommes aujourd'hui. Tels qu'ils sont. Avec toutes les bébites. Puis aussi la force qui nous habite. La force d'homme. Là. Puis ça, je suis fier de ça. Il y a une affaire que je ne m'attendais pas à venir chercher, puis je pense que c'est important de vous le dire. C'est que j'ai rencontré comme 11 personnes qui sont arrivées avec quelque chose. Si vous dites, oh, je repars différent, j'ai changé, je ne suis plus le même homme. Mais vous êtes tous arrivés avec une volonté de devenir meilleur. Moi, je ne suis pas arrivé avec ça, mais je repars avec. Ben, j'ai pas nécessairement été compris tout le temps et par tout le monde. Et on est différents. Mais j'ai senti un regard doux. J'ai ressenti de l'amour fraternel. Puis c'est ça qui est le plus important, c'est que il y a des moments où on se comprend pas et puis ben c'est correct, c'est pareil. Je suis arrivé sans attendre. Et je suis bien content d'être arrivé sans attendre. Parce que ça m'a permis de faire vraiment le point sur ma vie, sur où je suis en tant qu'homme. Et je sais que je suis ni rose, ni bleu, mais un amalgame de ces deux couleurs-là. Moi, je fais pas deux voyages. C'est bon. Les gars vont partir bientôt, là. Puis, moi, ce que je soupçonne, c'est que ça va avoir beaucoup d'impact dans leur vie. Ils ont eu l'expérience de leur meilleur par toutes sortes d'activités, des interactions très positives, l'occasion d'apprendre des choses, faire des choses nouvelles. Certains n'ont jamais pêché, d'autres n'ont jamais parlé comme ils sont parlés. Et moi, je soupçonne qu'ils retournent confiants, ils retournent rassurés, mais aussi intentionnés. Que ce qu'ils ont vécu ici, ils veulent le reproduire dans leur vie, ils veulent ramener quelque chose dans leur quotidien. En fait, j'ai un souhait. Que vous portiez fièrement et longuement cette expérience-là dans vos vies. Puis quand le doute viendra, vous rappelez, c'est vrai ce qui s'est passé ici. On l'a vécu pour vrai. C'était pas la frime. Puis ça se recrée, ça. On nous a appris tous les mots pour parler de cul ou d'affaires. Mais pour dire ce qu'on vit dans sa peau, on n'a plus de vocabulaire. On se retrouve autour d'un verre à se raconter tous nos exploits, à régler sort de l'univers sans même lever le petit doigt. Le petit doigt. Le silence de nos pères. Comment le dire et le briser? On ne peut plus se taire. Dis-moi par où commencer. Le silence de nos pères. Dans un instant, Décor ta vie vous propose plein de belles surprises. Irrité. Chevalier couvert d'une armure qu'on porte pour cacher nos peurs et surtout protéger nos cœurs des inévitables blessures. Celles qui nous feront reconnaître les pièges et les jardins de roses, celles qui nous feront renaître.